ראיתי כוכבים שמאירים את העולם ועם הזמן נעלמים טיפסתי על סגות ערים בדרך גם שאלתי בעצת החכמים לא נתתי לעיניי להסתנבר מהמראות והבנתי שיותר מדי זה לפעמים פחות לקחתי לי מתוך השקט שיר לנשמה מועדים לשמחה בעזרת השם j'espère que vous allez bien le cours les lunes nishmat Francinouna Badjan on a parlé plusieurs fois des ta'avot les envies et Chachamim il dit que c'est très très grand cette personne qu'il déracine de lui-même tous ces envies différentes. Et il est beaucoup plus grand que celui-là qui a une envie, il a rassasié. Ça veut dire c'est beaucoup plus, et il a beaucoup plus une joie, celui-là qui a une envie, mais qu'il arrive à la mettre de côté, de la contrôler, de la déraciner complètement, par rapport à celui-là qui a des envies, il a rassasié. Il a des envies, il a rassasié. Sa simcha, elle est vraiment, elle n'est pas, elle ne dure pas, elle ne tient pas. Et il a beaucoup de peine de ce qui lui manque, et cette peine ne lui permet pas d'être besimcha. Mais celui-là qui n'a pas d'envie, il contrôle ses envies, ou il les diminue les athlètes, et il est toujours content de ce qu'il a, de son passé, de son futur, il n'a pas des inquiétudes. Par rapport à celui-là, que chaque envie qu'elle sort, hop, tout de suite, il faut qu'il va la développer, qu'il faut qu'il la nourrir, qu'il faut qu'il la rassasie. Et donc, il vit une vie qui n'a pas de simcha. Il est constamment, il s'inquiète beaucoup. Il s'inquiète pour toutes ses envies qu'il n'arrive pas à rassasier. Rabbi Machovim la Racha, Ambrim Chachamim, ils disent beaucoup, beaucoup de peine, beaucoup de mal au Racha. Parce qu'il a toujours, il lui manque beaucoup, beaucoup. Et joie, il n'a pas. Et c'est marqué, Vaser Satan Milfanenu. Ça veut dire on lève le Satan devant nous. Ça veut dire qu'on ne s'inquiète pas pour l'avenir. Et mechorenu et derrière nous, que le Satan il va pas être yastin, ça veut dire qu'il va pas commencer à être mekatrek sur nous. Et après qu'on a eu la chose, mais qu'on n'avait pas été assez en joie de toutes les biens que tu nous as donnés. Ça veut dire que Chachamim, il parle beaucoup de shvirat ha-te'ava, de casser les envies. C'est-à-dire que l'homme, autant que l'homme, c'est important qu'il casse ses envies. Kal vachomer si c'est un juif. Quand Kadosh Baruch Hu, il a sorti Bnei Israël d'Égypte, il voulait leur montrer qu'il ne peut pas s'imaginer, les peuples, ils n'ont pas à s'imaginer qu'Akadosh Baruch Hu leur a sorti d'Égypte d'un esclavage à une délivrance pour vivre une vie de plaisir et de paresse et de cherche que de plaisir. Ça veut dire que les vraies délivrances, les vraies libertés, c'est la liberté des cerveaux. Que dans ton cerveau, tu n'as plus des inquiétudes. Et c'est ça, les vraies libertés. Chachamim, ils ont dit, En ben Chorin, Ela Osek Batora. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il a sorti à Israël pour recevoir une réussite éternelle. C'est recevoir la Torah. Ça veut dire que une des raisons qu'il aura sorti et la pâte, elle n'a pas eu le temps de monter, c'est pour leur montrer que le plaisir, il existe, mais il ne doit pas être en première étape. Il y a d'autres choses qui viennent avant. Donc si tu comprends que les envies,
d'abord il se lève parce que tu n'as pas d'autre chose à la place. Mais quand tu es rempli, tu te remplis des vraies valeurs, tu auras les plaisirs que tu veux, mais ça va être un autre plaisir. Ça veut dire que d'abord, comprendre qu'il y a une Torah, comprendre qu'il y a une vraie liberté dans la tête, c'est ça la liberté que tu vas avoir à travers des matériels, à travers des plaisirs, à travers des rassaisies, des envies que tu as. Mais si tu comprends que d'abord, prends sur toi cette hall, après tu auras Tiskou le Rof Tova. Lo Ami Shamali, c'est juste si mon peuple il m'écoute. Ça veut dire que tout notre travail, c'est pas avoir des envies. Après, on aura tout ce qu'on a envie. C'est un jeu de choses. Vous souvenez la graine qu'on a dit, la graine doit être mourir complètement, elle pourrit. Après, elle commence à sortir. Ça veut dire que nous, on doit avoir cette envie de pas envie. Ça veut dire que si on comprend que d'abord, toutes les ta'avot, il sort parce que aborek en bomaim. Parce que s'il y avait de l'eau dans les puits, tu n'avais pas des pensées, des ta'avot, je vais remplir, je vais. On était content de ce qu'on a. À travers des matzahs, à travers des pas qui n'étaient pas montés, ça veut dire t'es rassasi de ce que t'as. Si tu apprends à être rassasi de ce que t'as, mais vraiment tu rassasies de ce que tu as. Ce n'est pas que tu dis, bon, je suis contente de ce que j'ai, mais tes yeux, ils regardent à droite, à gauche. Donc, c'est faux. Mais si tu travailles sur toi d'être content de ce que tu as, de ne pas avoir d'autres envies, même ce que tu as envie, après tu auras. Rappelez-vous la graine. La graine, si on la laisse sur une table, elle ne va pas développer. Tu la mets au contact avec la terre, elle pourrit, elle meurt et hop, elle commence à pousser. Donc, il faut qu'on enlève toute cette envie qu'on a, d'accord? Et après, tu as la place de prendre le hall de Torah, de comprendre que la vraie liberté, c'est quand tu es connecté avec Hachem. Et c'est quoi le signe? C'est que tu vois ton cerveau. Est-ce que tu t'inquiètes pour demain? Est-ce que tu t'inquiètes parce que tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de bébé, tu n'as pas de mari, tu n'as pas de santé, tu n'as pas de maison, tu n'es pas en Eretz Israël? Comment tu vas faire quand tu dis ça et ça et ça? Si dans ton cerveau, tu n'as pas d'inquiétude, c'est que tu es Ben Chorin. Mais ce n'est pas une chose que j'ai décidé à midi 5, je suis Ben Chorin. C'est un travail. C'est pour ça les Tziat Mitzrayim, 50 fois dans toute la Torah, elle est rappelée. Dans le Birkat Amazon, dans les Tfilin, dans les Mezouza, partout, Zechor, que Hachem Otsir, que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui t'a sorti. D'Égypte. C'est quoi l'Égypte? L'Égypte, là-bas, on est toujours esclave, esclave des envies. Mais si tu sors de cette Égypte, in the scene, que tu t'inquiètes plus. Donc le travail, c'est quoi? C'est enlever les inquiétudes de demain. Enlever l'esclavage d'aujourd'hui. Ça, c'est un travail. Mais c'est un travail que toute l'année, on doit exercer, et la matzah, elle vient nous rappeler combien c'est important que l'homme, il ne va pas chercher chaye oneg. Il y a une mishnah qui dit « Pat bemelach tochal » ou « Maim bemeshura » ve'al haaretz. Ça veut dire pas, même si tu arrives, maintenant il y a des milliardaires qui exercent la Torah et la Vodat Hashem, mais si tu arrives à être dans un état que tu manges un morceau de pain avec du sel et maman, je t'ai la peine. Même comme ça, tu dois faire la Torah. Ça veut dire que l'homme, il ne doit pas mettre des conditions pour réaliser la Vodat Hashem. Mais il doit savoir que la Vodat Hashem, c'est pour arriver à comprendre les choses, il faut que tu enlèves un petit peu des envies. Tu l'enlèves. Ça veut dire que tu les contrôles. Et les hâtes, tu comprends que c'était, tous ces envies venaient parce que le puits était vide. Ça veut dire que dès que le puits est vide, il y a un achashim, un akravim, il y a des serpents, des scorpions qui viennent. Parce que le puits, il est obligé d'être rempli de l'eau. Le cerveau de l'homme,
il est programmé pour être connecté avec Hachem et connecté avec la Torah. S'il n'a pas la Torah, s'il n'a pas tout ça, il commence à remplir avec plein d'imagination, des choses. C'est quoi la chametz? La Gemara, elle dit que si tu prends la pâte et tu la travailles non-stop, elle ne gonfle pas, elle ne devient jamais chametz. C'est quoi la situation de chametz? Que tu ne fais rien, tu te laisses aller. Dès que tu te laisses aller, les mauvaises pensées, les mauvaises idées, les envies, ça veut dire que l'homme doit être constamment, constamment en mouvement pour ne pas être chametz, pour ne pas laisser les choses rentrer. Donc la matzah, Am Israël, ils les ont sortis pour nous montrer que c'est que des tavot, les nourritures. Faut pour rassasier, pour tenir, même une Pâque, elle n'est pas montée, elle peut te tenir. Qu'est-ce que tu veux d'autre? C'est dans ta tête, c'est imagination. Mais si tu comprends qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu veut de toi, si ça déclenchait dans ta tête, après, qu'est-ce que ça lui dérange, Akadosh Baruch Hu, de te remplir de tout ce que tu rêves? Ça ne lui dérange pas, parce que même toi, ça ne va plus te déranger. Bezrat Hashem, qu'on aura une bonne fête, si Dieu veut. Et Moadim le Simcha. הקדוש ברוך הוא ומלך בני ידו ראיתי כוכבים שמאירים את העולם ועם הזמן נעלמים טיפסתי על שגות ערים בדרך גם שאלתי בעצת החכמים לא נתתי לעיניי להסתנבר מהמראות והבנתי שיותר מדי זה לפעמים פחות לקחתי לי מתוך השקט שיר לנשמה אין עוד מלבדו מלוא כל הארץ כבודו הקדוש ברוך הוא מלך ואני עבדו במלחמות אל מול היתר כמו מדבר צמא למימה אדם נכנע משוב הנפש מבקשת לה מסתור מתחת לכנפי השכינה גם אני עמדתי בפתח כמו כולם מבקש סליחה ממלך העולם ולקחתי לי מתוך השקט שיר לנשמה אין עוד מלבדו מלוא כל הארץ כבודו הקדוש ברוך הוא מלך בני עבדו אין עוד מלבדו מלוא כל הארץ כבודו הקדוש ברוך הוא מלך ואני אבלו מלוא כל הארץ כבודו הקדוש ברוך הוא מלך ואני אבלו אין עוד מלבדו מלוא כל הארץ כבודו הקדוש ברוך הוא מלך ואני אבלו
כל הארץ כבודו. הקדוש ברוך הוא מלך ואני ידו.